action qui ne cesse. La santé est la pierre angulaire de tout développement humain. C'est dans cet esprit que la Fondation Francis CJ est allée offrir un important don de matériel à la Direction nationale de la santé communautaire. La dite cérémonie s'est déroulée il y a de cela quelques jours à l'hôpital régional de l'Estuaire de Mélène, situé au PK 11. En tant que membre de la diaspora responsable et engagée, nous nous tenons de pouvoir participer à notre essor vers la félicité, pour rester dans les termes. Mais en fait, c'est surtout parce que lorsqu'on quitte chez soi, nous ne partons pas pour oublier ceux qui sont restés. Alors, du fait que je travaille dans la santé, j'ai pensé à mes frères, ou ceux qui sont restés, qui sont dans la santé, qui ont besoin de matériel. Le don est composé de 8060 blouses d'isolation, 840 blouses à enfler, 4500 respirateurs chirurgicaux, des chaises, tables, des meubles et bien d'autres. C'est le docteur Jean-Romain Mourou, directeur adjoint national de la santé communautaire, qui a réceptionné ce matériel. L'action sanitaire future sera tridimensionnelle. La dimension curative et celles préventives sont connues de la population. La troisième dimension, l'innovante au Gabon, dénommée santé communautaire. Pour la directrice de l'hôpital de Mélène, c'est un sentiment de satisfaction pour le personnel soignant de recevoir ce don venant des compatriotes de la diaspora. Une fierté aussi de voir une compatriote qui, hors de nos frontières, va valablement parler de notre pays et emmener dans son pays le poids subvenir aux besoins d'une certaine catégorie de population. Donc c'est ce double sentiment de fierté et de satisfaction qui nous anime aujourd'hui. Le matériel sera vraiment utilisé à bon escient. Vous savez que Mélène est un vieil hôpital de 48 ans qui a beaucoup de besoins et ce don arrive à point nommé pour soulager une certaine catégorie de besoins que nous avons au niveau donc de notre structure. Donc ça ne peut qu'être une satisfaction de recevoir donc en nos lieux, en notre siège, en notre site, ce don d'une compatriote. En phase avec les autorités de la transition CTRI, la Fondation Francis CJ vise à poser des actions positives dans le secteur de la santé de notre pays, le Gabon, en faveur des populations.